On a créé Sana Education, on avait rien, on n'avait aucun prof, aucune salle de classe, aucun élève. Tout ce qu'on avait, c'était à ce moment-là une équipe projet et des experts pédagogiques qui travaillaient avec nous. Et aujourd'hui, Sana Education, vous l'avez vu, c'est 4 établissements complètement opérationnels, 3 à Casablanca et 1 à Rabat. C'est 2300 élèves qui sont scolarisés dans ces établissements avec une très grande diversité. On a 18 nationalités qui sont représentées dans ces établissements. Sana Education, c'est aussi plus de 200 enseignants qui croient en notre projet et qui font un travail fantastique avec nos élèves tous les jours. Sana Education, c'est aussi des résultats concrets. L'année dernière, d'ailleurs, on a eu une bachelière qui a obtenu la bourse d'excellence majeure qui est attribuée à l'AEFE aux 200 meilleurs bacheliers dans le monde. Elle était ici, dans ces établissements, elle était élève dans nos établissements chez Sana Education. Sana Education, c'est aussi des engagements qui sont tenus. On a promis, quand on a commencé dans le secteur de l'éducation, à ne pas dépasser 24 élèves par classe dans les classes de maternelle, primaire, et c'est un engagement qu'on a tenu auprès de nos parents. L'enseignement se base sur 3 piliers. D'abord, le multilinguisme. Nos enfants apprennent 3 langues dès la maternelle et ensuite une 4e langue lorsqu'ils sont au collège, avec un accent fort sur la langue arabe. Pour nous, nous sommes marocains, fiers d'être marocains, et il est impensable que nos élèves ne comprennent pas ou ne possèdent pas bien la langue arabe. Nous sommes allés voir les meilleurs experts au Moyen-Orient, qui nous ont apporté leur technique pédagogique, qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants ont du plaisir à aller en cours. Nous avons des cours d'arabe qui sont attractifs, interactifs, et ce qui fait que maintenant, il y a des progrès notables. On a vu déjà les résultats au baccalauréat la session dernière. Thank you.